Bon allez hop, c'est bon, voilà, c'est fini, la paille est finie. On attendra bientôt sûrement, clac. On va lever ça. Voilà. Bon allez, hop, c'est parti, on va retourner à la ferme. Faut que Mathis vienne chercher sa petite presse et qu'il me ramène surtout ma faucheuse. Et puis vu que c'est le 14 juillet, je vais peut-être y proposer qu'il vienne simplement avec moi au feu d'artifice, au feu de Saint-Jean, comme d'habitude, comme j'ai été l'année dernière, avec mon ami qui est décédé. Hein. Mais du coup voilà, j'y retournerai, j'espère avec lui, j'espère qu'il voudra venir manger avec moi et tout, c'est un bon ami maintenant, et puis voilà, on est parti. Ok, donc voilà, enfin on arrive à la ferme. Voilà, c'est vraiment chiant de faire de la route. Bon, on arrive à la ferme, j'espère que Mathis va vouloir ce soir, hein, ça serait cool. Parce que Michel m'a appelé du coup pour que je mette mon tracteur comme l'année dernière. Hein. Donc j'espère que ça va aller. Clac, on s'arrête. Ok, donc voilà, c'est bon. Bon, j'espère qu'il va. J'espère que. Faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle de toute façon. Sinon, vu qu'il est déjà 18h, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Clac, on va descendre. Voilà, on va attendre tout ça. Les feux, je vais laisser ça là, on verra bien ce qu'il va faire. Hein. Bon du coup ce que je vais faire, je vais commencer à nourrir les bêtes parce que je les ai pas nourries. Et puis bon du coup voilà. Allez hop, on va juste faire éteindre les gyrophares. Voilà, c'est bon. Ah bah tiens, on va le faire! Ouais, salut! Salut, salut. Ça va bien? Ouais, toi. Bah Bah, impec, hein! on s'est vu quoi? On s'est vu ce matin. Bon, on s'est vu ce matin, mais bon, tu sais, en cas. Bon, du Ouais, coup, c'est bon, c'est bien passé? nickel, nickel. Bon, ah tiens, bah, je vois que la masseur, salut. Bon, j'étais Bon, mais lavé c'est tout, pas... Mais, mais là, ah, c'est... bah moi, je viens d'arriver, j'ai pas eu le temps de te les laver. Bon, Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je je vais veux le repartir, c'est laver, bon. mais j'ai pas eu le temps. Oh, t'inquiète, je repère, je Bon, repère. ça a tenu ou pas? Le John Deere, il a tenu? Ouais, c'est bon, nickel, ça tire, ça tire, ça tire. Ok, je voulais te demander ce soir, tu sais, avant, il y a un feu d'artifice ce soir. Ouais. Et puis je voulais te demander, il y a Michel, un collègue qui m'a appelé pour, tu sais, à cause des attentats, tout ça, faut que je prenne mon tracteur avec un plateau ou autre pour bloquer la route. Ah oui, ok, Et puis l'année dernière, j'étais avec Michel, mais avec l'autre Michel, mais tu sais, vu qu'il est décédé. ouais. Bah du coup, j'ai un repas gratuit, tout ça, donc si tu veux venir avec moi. Ok, Du mais coup, nickel. j'ai deux repas gratuits, donc tu viens en voiture, hein, y a pas un Ouais, mais y a tracteur pas de derrière. souci. Je viens en voiture, ouais, je Ouais viens ouais, pas, tu je viens feras pas gaffe en par voiture. contre, je te dirai où tu vas te garer, je te dirai tout à l'heure. Ouais. Puis on verra ça, tu mangeras gratuitement et puis on regarde le feu d'artifice, ça vient vers 21h quoi. Les repas Ouais, ok, commencent, ils d'accord. commencent à te servir à 21h, ok? Ouais, dans d'ici 2 heures, quoi. Ouais, d'ici 2h, voilà, simplement. Bon, je te le Ok, dis un peu ok. tard, mais voilà. Au Ouais, c'est pas grave, moins. j'ai rien prévu ce soir, de toute façon. Ok, bon, tu vas voir, il est beau, je te Y a pas de préviens. souci. Il va aller. Ok. Bon allez, sur ce, Bon. Eh bon ben, bah, si t'as un problème, tu m'appelles, hein. ouais, à tout à l'heure, Ouais, ok, pas de allez, à souci. tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Tac, nickel. Bon là, voilà, c'est bon, le parti est fini, je suis bien habillé, j'ai fini de pailler. Et il est quelle heure là? Il est 20h30, il m'a dit 20h40, Michel. Bon allez, c'est pas grave, je prends le télescopique parce que moi j'ai besoin du plateau pour les bottes, donc ce que je vais faire, je prends le télescopique. Et puis voilà, c'est tout, hein. S'il est pas content, c'est pareil, et puis on y va, j'espère pas qu'il y aura de problème tout simplement. Ok, bah voilà, c'est bon, on arrive. Bon, on a mis un peu 20 minutes, mais bon, c'est pas très grave avec les bouchons pour le feu d'artifice. J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il m'avait dit où Michel m'a dit dans l'intersection. Bah, c'est là. Bon, ok, bon, je vais faire une marche arrière, je vais me mettre là. D'accord, à bout de 1000 panneaux de déviation, donc c'est pas mal. Hop, on peut se garer comment? On va se garer en bancal. Hein. Ouais. Clac, voilà. On se met comme ça. Avec le petit godet comme ça. Oh, là, ah non, j'ai pris. Oh là, je me suis trompé. Bon, bah, je peux pas qu'il va gueuler. Bon, raison avec les gens, faut pas qu'ils passent là de toute façon. Clac, et puis ben du coup voilà, on y va tout simplement, puis je vais attendre que Matisse il arrive. Bon, il fait quoi là? Ça fait déjà 10 minutes que je l'attends là, puis ils vont bientôt le tirer je pense. Hein. Bon, on va les manger avant, puis voilà, franchement. Bon, ce petit lieu est cool, ils l'ont un peu remodifié. Bah tiens, on va le faire, il est là. Bon, Salut, bon ça re, va? bon, tu fous quoi là? Eh ben désolé, j'ai un peu de retard là, fallait que je repasse à la ferme parce que j'étais pas sûr, fallait que je revoie quelques trucs sur le tracteur et tout, donc. Ouais, t'inquiète. Bon voilà, bon bah voilà, feu d'artifice, ils vont le tirer là-bas là. Ah putain, c'est sécurisé, hein, la Bah vache. ouais, t'as vu les flics qu'il y a? Tu veux pas Parce te baigner un petit peu? que. Oh, non, si on est raide un peu, mais on verra. Bon, du coup, je te fais manger, on y va. Et on va les Ouais, manger. vas-y, Puis après, je te ton suis. feu d'artifice, on peut manger sur la terrasse ou à Ouais, l'intérieur, vas-y. donc comme tu veux. Hein. Ok, bah comme tu veux, vas-y. On va bouffer sur la Donc terrasse. on va aller sur la terrasse, Ouais, on ouais. va faire ça. Hein. Bon, allez, Allez, bon, vas-y, du coup, je ouais, bon, te allez, suis. c'est parti.
Ouais bah oui, demain faut que j'aille chercher l'endeneur à la Cuma, faudra que tu me dises à peu près où c'est la Cuma. Ouais mais je te dirai, y a pas de soucis, ouais mais c'est pas loin de là, c'est pas loin de là, mais je te dirai après le feu d'artifice. Je sais même pas quand ils vont le tourner en vrai. Quand ils vont le faire péter, on va Ah bien bah voir. tiens, attends, ça se lance. Ah. Putain. Wow. Eh franchement. Oh là là, eh c'est beau. Oh la vache. Non, je te l'avais dit, il Ah était tu beau. m'avais pas menti hein. Eh bah non, je mens jamais moi. Bon, ah oui, ils en mettent des petits au début, ensuite ils font tout péter, d'accord, ok. Ouais, putain. Et moi ça. Ah, il est beau. Oh, ça décolle là-bas. En plus, il dure un peu de temps, mais je pense pas que moi je reste jamais jusqu'à la fin. Là. Ah attends, il était beau, il était vraiment beau. Oh. Bon. What? What? Oh ça putain! Oh putain plus... mec! Oh là là! T'as faut appeler Thierry, faut... Il bouge là. Bon, ce que tu... Va-t'en toi. Faut que je m'en occupe. Je t'appelle en rentrant. Tu veux pas d'aide? Non, t'inquiète, non, mais... Vas-y, pars, faut que j'appelle Thierry qui est dans le resto. Ok, vas-y. Putain, non. Faut que j'appelle les pompiers. Les pompiers sont là. Faut que j'aille les voir. Ok les gars, donc voilà, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Tati, salut mon petit Tati, comment tu vas? Bah voilà, salut. Donc les gars, voilà, Tati va vous expliquer un peu tout ça, j'espère que l'intro les gars vous a plu, franchement moi c'est l'une de mes meilleures intros je pense, ça lag, bon ça continue à laguer, c'est une de mes meilleures intros, si, on a vraiment mis à peut-être 2h30 hier à tout régler franchement, et franchement c'était cool de faire ça. Il y aura des bugs des fois, des trucs bizarres, mais bon, on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux, ouais voilà, on fait au mieux quoi. Donc voilà, pour Tati du coup il va vous expliquer son chiffre parce qu'il a eu un petit problème, ouais, il vous expliquer. Le Ford a totalement bugué, je sais pas ce qu'il a eu. Je montais dedans, donc là vous voyez, je suis à 50. J'étais à 60 on va dire, voilà, je suis à 60. Et puis je monte dedans, hop, 9 FPS. Donc du coup bah je me dis bon c'est un petit bug, ça me l'a jamais fait avant. Et je le rachète, je le revends et tout ça, et ça refait pareil. Donc, bah, du coup, j'ai calculé combien il valait. Donc, j'ai remis 14 500 à ma cagnotte, et puis j'ai racheté le FEN. Donc, qui vaut combien 107 472 €. Donc, ce qui fait maintenant, je suis à 12 028 €. Voilà. Bah, voilà. Nice. Ouais, et puis, moi, du coup, ça a rien changé. Ça n'a pas changé, il est encore à 132 813 €. Moi, j'ai ramassé les bottes, tout simplement. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tati. Tout sera en description comme d'habitude des deux côtés et tout sera en description comme d'hab. Et puis voilà, bon les gars, l'épisode de mon côté, l'épisode 3 vous a vraiment moins plu. Il y a eu beaucoup de vues en moins, donc je sais pas pourquoi. Bon, après il y a eu beaucoup de bugs de notif comme t'as dit, qu'à part ce, par exemple t'as reçu ma notif pour la vidéo de hier en fait. Que dalle. T'as rien reçu hein. C'est chaud, ça m'énerve. Et bien du coup voilà, c'est pas très grave, mais activez la cloche ou voilà, si on suit moi sur Snap simplement, et puis tout est dans la description, voilà. Okay. Moi l'endener c'est celui de. Je devais l'emprunter à la Cuma, mais en fait j'ai vu que c'était 0 en avait un, du coup je l'ai emprunté. Ah tu l'as emprunté là, t'es monté à la ferme déjà? Non bah en fait je l'ai vendu, je l'ai racheté, je l'ai fait la ferme. D'accord, ok. Bon hey, je lag par contre mec, y'a un gros problème, regarde-moi ça. Bah moi ça va, mais des fois j'ai du coup de lag, c'est chiant. Donc les gars, désolé pour les coups de lag, donc, je pense qu'on on s'arrêtera à 10 épisodes et puis on fera la saison 2 sur FSD. Voilà, parce que bon oui, ça lag de trop, c'est vraiment possible. Chiant quoi. C'est possible. Alors attends, là je suis plein déjà. Donc les gars, ce qu'on va faire, j'ai pris un chargeur automatique parce que je suis vraiment pas pro du tout en tant que chargement de bottes de paille, etc. Le bot ronde et tout, même bot carré. Du coup, ce que je vais faire un gros tas directement dans le champ, en fond de champ. Et après, je les chargerai tout simplement. Je les chargerai tout simplement au télesco, je pense. Hein. Je pense que je vais faire comme ça, les gars. Pour voir la vidéo de Giro, c'est en description comme d'habitude. Hein, si vous voulez voir ce qu'il fait. Ce qu'on voit pas, je vais pas vous montrer ce qu'il fait sur ma vidéo, donc vous verrez bien en allant sur la cible. Alors attends, pour moi c'est comment là, je vois. Eh, ça fait un moment j'ai pas déchargé les balles. Ok, c'est Y pour moi. Voilà, donc je vais faire ça chaque fois. Puis après, là j'ai fini, j'ai fini de pressoir vidéo, Tati a fini de faucheur vidéo. Ouais. Et puis du coup voilà. J'ai fait qu'un jour moi, vu que j'ai pas besoin, je vais faire de l'emménage, j'ai pas besoin de. Je vais juste les vendre.
ça donnera de l'argent. Je vais te les vendre du coup. Ouais bah oui, ou même c'est les anges, les échanger. Et faut regarder sur internet si les bottes de paille ou les bottes de foin, c'est quoi qui vaut le plus cher. Je pense bah c'est de l'emballage là, donc je pense que ça va valoir plus cher. Je sais pas du tout, franchement je sais pas. Vraiment. Moi j'irais plus, je partirais plus sur les bottes de paille plus chères, je sais pas. Dites-nous en commentaire les gars, au pire dites-nous en commentaire si vous pensez bah c'est quoi le meilleur quoi. Bah le prix le meilleur. Simplement. Par contre je lag les gars. Ah oui, faudra que vous me dites encore. Il y en a, ils me l'ont dit, c'est au milieu pour pailler. Et je vous montrerai dans le prochain épisode. D'ailleurs, on nous a demandé aussi de faire de nourrir les animaux. Je pense que je vais essayer de faire ça dans le prochain épisode. Ouais. Mais pour la paille, moi, cochon, ça au milieu, ça marche pas. Donc, bon, on avait essayé en plus au milieu, si nous. Vous hein. Savez, ouais. Donc j'ai réessayé. Ça avait pas marché, donc ça vient pas de ça, quoi. Donc voilà. Et pour les portes, vous nous avez dit aussi animation de trigger, on l'avait déjà. Donc là, c'est réglé le problème, je sais pas, il y a eu un bug, là, c'est reparti. Bah ouais, d'un seul coup, en vrai. Et puis voilà, donc c'était. Et en plus, il n'y a qu'une version, on s'est dit, oh, il y a une mise à jour de Game Sting, il doit y avoir une autre version d'animation. Non, il n'y avait qu'une version de animation de trigger. Ouais. C'est dans la merde, c'est réglé apparemment. Ok, pour moi c'est bon. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 5 bottes là. Ça fera ok. Bon voilà. Les gars, moi je ramasserai pas tout en vidéo. Hein. Je vais faire après, que j'en ferai en vidéo. Et après, je sais pas ce qu'on fera, on verra. On sait pas trop ce qu'on fera pour le prochain épisode, on verra les gars. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein. Ça peut nous aider aussi les idées en vrai. Vous avez quand même des bonnes idées des fois, donc si vous voulez nous aider, tout simplement, bah, vous avez le droit. Voilà. Et par contre, cette map commence à me faire chier parce que ça arrête pas de laguer. Et je sais pas si ça vient de la map ou de la partie, je sais pas du tout, mais ça commence vraiment à me faire chier. Bah même la partie je pense que ça vient de la map aussi. Parce que au début ça voyait un petit peu. S'il faut un PC à plus de 3000 euros pour jouer à farming, tu sais, maintenant c'est de pire en pire hein, tu vois. Les modders le savent très bien qu'il faut pas ils des vont PC, améliorer les graphismes pour le 19, j'espère qu'ils vont optimiser aussi. Si c'est même pas optimisé, non. En plus ils augmentent. Oh la chance les gars, là les gars, pour ceux qui sont de mon côté, et regardez-moi cette chance que j'ai eu. Et bon c'est de la chance, non, c'est pas de la chance, mais j'ai eu de la chatte quoi, voilà. Ah, voilà, on chatte, fait comme ça, chance. C'est vrai. J'ai eu un peu de chance, mais normalement, c'est du... Voilà, on m'a compris, quoi. Merde, rabats-toi. Donc, les gars, moi, j'ai pris ça parce que après je suis pas hyper pro en temps de ramassage de balles. Du coup, j'ai comment j'ai pris ça. Tati m'a conseillé de prendre ça. J'ai pas de gyro sur mon fend, par contre. Peut-être que je le configure. Ah, tu peux mettre des gyros comme ça sur le fend. Sur les tracteurs, non, je sais pas. C'est un mode, je pense que oui. Super, attends. On va aller voir. Donc, celui-là, c'est un... Donc, je l'ai pris en 100... J'ai pris, c'est un 313 Vario, donc je l'ai pris en 138 chevaux. Et donc normalement on pourrait mettre normalement on peut mettre ouais, non, je sais pas. Ouais normalement quoi. Ah bah ouais parce que sur la photo il y a un gyro là. Ouais bah tu peux quoi d'habitude quoi, c'est que d'accord. Ouais. Ok donc ouais les gars, je sais pas que les vidéos sont trop ennuyantes. Là ça lag un peu, franchement je sais pas comment en faire, ça vraiment me déçoit pas mal. Je voulais faire moi qui voulais commencer ouais, une série comme ça, ça me dégoûte voilà quoi. Juste ça vous plaît la série hein. Bah ouais les modeurs quoi, si vous faites des... Il y a un mode qui fait bugger mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus hein. Donc voilà. Donc les modeurs faites des maps sans bugger s'il vous plaît. Ça serait cool quoi. Voilà, clac. Voilà, ça c'est bon, on va replier ça. C'est chiant, on commence une série et puis tu peux pas la finir. Non tu fais genre deux épisodes, ça lag pas. T'as genre un tracteur qui est pas compatible avec je sais pas trop quoi et là ça lag. Et ça c'est vraiment chiant par contre. Voilà. Attendez, les gars, dites-moi comment dire si vous voulez un live abonné, que ce soit ma chaîne ou elle de tatu, si vous voulez, on s'en fout. Hein. Pourquoi pas, moi je serais chaud pour en faire un. Faudra s'organiser, hein, vu qu'on est en grande vacances en plus, donc j'espère que les gars, vos vacances se passent bien, les moissons se passent bien, etc. Donc les foins sont déjà finis, donc voilà, j'espère que ça vous... tout se passe bien pour vous. Bon, on a fait le 14 juillet, mais bon. Voilà, on a fait le 14 juillet, mais le 14 juillet, c'est l'un des... Voilà. Bravo. Et puis donc, bah, aujourd'hui, match, les gars, quand vous verrez cette vidéo. Putain, c'est match en vrai. Finale là. Ouais. On tourne cette vidéo vendredi. On est vendredi donc le 14 juillet est pas passé puis la finale non plus. Ouais. À la base c'est bon. Ça. Désolé, vous avez l'impression que je suis bourré là mais je sais pas, ma manette elle bug des fois. Il fait un peu chaud quoi. Attends. Bon j'espère qu'il y aura pas de problème. Ouais, j'espère qu'on va gagner. Je l'espère aussi. Hein. Ah mec les gars, je gère bien en vrai là. Ça lagrait pas les gars, ce serait une vidéo parfaite en vrai. Première serait parfait. Bourré.
Bon les gars, du coup moi je vais juste faire une dernière un dernier petit chargement de 5-6 bots dedans. Et après on se sera là, hein, parce que ça sert à rien de faire une vidéo trop longue pour moi de mon côté, même de Tati, quoi, ça vous plaît pas donc. Attendez, on va prendre cette botte là. Donc l'intro aussi, l'intro RP est un peu plus longue que d'habitude du coup, hein, normalement. Ouais normalement on sait pas mais. Et encore on voulait faire encore plus long, on voulait genre aller chercher à la Kuma et tout le bordel. Mais... Après tu vois la fin là t'as un peu suspense, donc c'est pas mal tu vois je trouve. Bah je trouve moi la fin elle est, pour moi de mon côté elle était bizarre. On verra bien. Pourquoi? Je sais pas, je suis parti comme ça. Ah ouais, bah moi c'était le feu aussi. Hein. On verra bien. Ouais, on verra donc bien. Voilà. Lâchez un pouce bleu les gars, ça me ferait plaisir. Lâchez des pouces bleus. Si y a mon fond qui bug. Voilà. Bon du coup bah moi j'ai fini mon chant. Ah t'as déjà fini? Ah ouais moi je suis même, j'ai même pas fini mon premier chant, moi ça qu'il faut se dire quoi déjà. Allez mets-toi. Je vais prendre ma miniature donc. Bah la miniature tu l'as déjà prise? Ah bah oui. Ah j'aurais rien dû dire, ça aurait été drôle. Ah mais bientôt les gars, on l'a fait vraiment parce qu'on a mis 2h30 à préparer tout ça, tout mettre les nouveaux modes, tout ça, on a mis quelques nouveaux modes franchement. J'espère qu'elle vous plaît la miniature, bon elle est assez bizarre, enfin sombre tu vois, elle est plutôt sombre après voilà, c'est comme ça. Tu vois. Ah oui c'est comme ça, bah oui. Et bon. Voilà. Donc le Landener je te la... Oh, putain. Le Landener tu me le ramèneras à la ferme, ouais, je te le ramènerai. Bah je vais te le ramener tout de suite comme ça vu que en attendant que tu... Ouais je vais finir, moi je fais juste ça les gars puis voilà. J'espère que les gars franchement. Je vais passer par le concession, je vais voir si je peux pas être léger. D'accord, ok. J'espère que les gars ça vous aura plu les gars cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'on pourrait faire comme nouvelle série. Pourquoi pas une nouvelle série aussi. Bon peut-être pas avec Tati parce qu'on est déjà là. Je sais pas si on commencera une nouvelle série parce que c'est bientôt FS19. Ah il reste 3-4 mois déjà encore. Ouais une petite série genre ouais une toute petite série. Une petite quoi. De toute façon on fera pas plus de 10 épisodes pour cette série donc de toute façon ouais à part si franchement on trouve vraiment le bug la faille qu'il y a quoi sinon non c'est pas qu'on aime pas la série mais la moitié ça bug déjà donc on est même pas la moitié c'est vrai mais on verra tout simplement clac voilà hop donc moi perso j'ai vidé ma quatrième rangée on aura fait à peu près 30-40 bots les gars pour ce petit truc là donc voilà pour moi de mon côté j'espère que ça vous aura plu puis Tati aussi normalement ça vous plaira. Attends, je me concentre. Attends, là, ça va tomber, vous allez voir. Même pas. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Tu l'as laissé là, ton téléphone, toi Ah, j'ai laissé là-bas. Ouais. D'accord, bon, c'est pas grave. Voilà, les gars, donc j'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tati. En tout cas, bon, Tati, de ton côté, c'est bon, c'est fini, t'as plus rien à dire pour cette vidéo-là. Ouais. Donc voilà, les amis, c'était Zero et Tati. Et nous, bah, du coup, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, les gars. Ciao.